Et je voulais qu'il y ait de la lumière. Je me relevais pour allumer la lumière dans le couloir. Et l'un de mes frères, on lui dit, rééteignait, et puis je rallumais, rééteignait. Plus le fait que j'avais coupé, il n'y avait pas de rideau aux fenêtres. Ce qui fait que les cerisiers, il y avait 5 cerisiers qui étaient dans le jardin, ça faisait des ombres comme ça. Et il y avait une porte qui donnait sur le jardin. Donc je me relevais 5 fois, 10 fois pour vérifier que c'était bien fermé à clé, quoi. Comme ça marchait pas la lumière dans le couloir, et ben je me levais. Et je me levais pour vérifier que ça marchait pas, donc je me rhabillais et j'allais affronter le danger du dehors. Donc j'ouvrais la porte et j'allais au-devant dans le jardin. Alors il y avait les branches et tout, ça fait peur, quoi. Donc c'était, j'allais pour me combattre, hein. Donc j'allais plus loin, et plus loin c'était le petit sentier, j'escaladais le grillage, et puis j'allais dans le petit sentier qui passait dans la maison, quoi, avec le bois de lilas qui était là. Et là, il y a une exaltation, t'affrontes le truc, t'es dans l'aventure. Et je continuais, je remontais le sentier. Alors, les arbres étaient là, puis au bout d'un moment, t'arrivais un peu plus haut, il y avait la lune, je me souviens, du vent, enfin, il était la totale, quoi. Le vrai film et le danger, c'était ce qui était toujours plus loin. Et je suis arrivé derrière l'église d'Herblay au cimetière. Et puis j'ai fait demi-tour, je suis rentré, j'avais quand même vaincu le danger, quoi.